Hortus Focus. Hortus Focus. Hortus Focus présente. Le raoram, ben ça c'est une plante intéressante qui a un goût de. C'est un polygonome, hein, odoratum. Et elle ressemble à s'y méprendre à la persicaire de nos jardins qui envahit un peu. Mais c'est sa cousine éloignée, elle a surtout quelque chose de plus de la persicaire qui envahit nos jardins, du faux sarrasin, c'est son goût coriandre et agrumes mélangés qui va bien avec énormément de choses. Je la cultive à la mi-ombre, mais ça c'est une nécessité pour elle. Elle va être beaucoup plus généreuse, beaucoup plus opulente à la mi-ombre qu'en plein soleil. Voilà. Bon, l'intérêt c'est d'avoir des jeunes pousses tendres. Comme pratiquement toutes les aromatiques, elle a plus de principes actifs dans les jeunes feuilles que dans les vieilles feuilles. Donc le but c'est d'avoir un énorme bout et puis de la pincer régulièrement pour la ramifier. Mais elle va se ramifier, elle va devenir, elle va s'imposer. Ça fait une énorme boule, bon c'est vrai que quand les feuilles vont toucher la terre, les tiges je veux dire, bon elles vont enraciner et ça va s'étaler mais ça va pas prendre des proportions astronomiques. Bon, les Asiatiques, les Thaïlandais en particulier, le mangent avec les œufs couvés, par exemple. C'est pas ce qui affole les foules en Europe, je veux dire. Mais bon, elle a plein d'usages culinaires quand même, autres que les œufs couvés. Hein. Ça va bien avec énormément de plats, par exemple les rouleaux de printemps. Il faut l'utiliser quand même avec parcimonie, c'est quand même des goûts assez forts. Pour le raoram, ma recette c'est simplement remplacer les plats où on utilise le coriandre, mais le remplacer par le raoram et puis on sera étonné parce que ça se marie très très bien avec tous les plats où on utilise le coriandre.